Au siège du parti en Mvumvu, où il a rencontré les membres militants et sympathisants du PCT, le président fédéral du Parti congolais du travail à Pointe-Noire a observé une minute de silence en mémoire de Gebris Parfait-Kolela, candidat à l'élection présidentielle du 21 mars dernier, décédé en France. Jean-François Kando a souhaité ses condoléances à sa famille politique ainsi qu'à sa famille biologique avant d'adresser le message qui suit aux militants. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que la fédération PCT du Parti congolais du travail vient de se réconcilier avec le président de la République. Le Parti congolais du travail, à travers les directeurs de campagne qui ont battu campagne dans toutes les circonscriptions, a obtenu une majorité absolue dans Pointe-Noire. Et cette majorité vient de faire que Pointe-Noire a corrigé l'erreur, l'accident de parcours de 2016. La victoire du Parti congolais du travail à Pointe-Noire est une victoire commune. Une victoire que nous avons bâtie ensemble à travers la structuration et la restructuration du parti. Tous les militants du parti étaient dans les starting blocks pour faire de telle sorte que cette victoire soit concrète, sans bavure et sans flétrissure. Notons qu'une ambiance de victoire a couronné cette rencontre.